Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la boîte aux lettres Pokémon numéro 3. Voilà donc, j'ai déjà fait les deux premières boîtes aux lettres et vous avez beaucoup aimé. Et depuis j'ai reçu genre beaucoup de courriers, tellement que je vais pas pouvoir ouvrir tout ce que j'ai reçu en une seule vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais ouvrir 16 courriers, mais ne vous inquiétez pas si le vôtre n'est pas dedans, c'est normal. J'ai encore une vingtaine de courriers à la maison, parce que là je suis chez David et maman m'a ramené 16 courriers d'abonnés environ. Et les autres sont encore chez moi et je les ferai pour la boîte aux lettres d'abonnés 4, 5, etc. J'ai décidé d'en faire moins parce que la dernière vidéo, 48 minutes, c'était pas possible. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec le premier courrier qui nous vient de Thomas. Voilà, donc on y va. Vous m'excuserez si vous ne voyez pas votre courrier encore une fois. Enfin, je peux plus. Là, ce serait 35 courriers d'abonnés en une vidéo si c'est pas possible. Donc va falloir que je mette une limite et là je fais par ordre d'arrivage, c'est-à-dire que là j'ouvre les courriers que j'ai reçus le 1er, le 4 et le 5 août. Voilà, donc sinon je peux pas faire plus parce que sinon ça serait beaucoup trop. Voilà, donc écoutez, on commence tout de suite. Mais non. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit les boosters c'était des boosters fermés. Alors on commence tout de suite avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Booster Pokémon, donc à mon avis dedans il y a plein de cartes, ouais c'est ça, il y a plein de cartes. Et on verra ça tout de suite après en vidéo. Sinon qu'est-ce qu'on a? Waouh, alors on a un poster. Un poster XY, donc voilà, je vous montre. Il est comme ceci, super sympa, hein, avec plein de méga évolutions et tous les Pokémon, enfin tous, des nouveaux Pokémon de la 6ème génération. Donc merci à toi, c'est super sympa. Et on finira avec, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit courrier. Bonjour à vous deux, je tiens d'abord à féliciter David pour l'obtention de son bac et pour toi, pour ton passage en terminale. Je vous remercie pour vos vidéos et la découverte des cartes. Je vous envoie ces quelques cadeaux en espérant qu'ils vous feront plaisir. A bientôt sur votre chaîne Thomas. Donc écoute, merci beaucoup Thomas et je vois une dernière chose et c'est... Oh trop bien! Oh c'est un petit porte-clés, enfin un strap Rototop, il me semble que c'est Rototop. Donc je vous le montre, j'espère que vous le voyez bien. Je sais pas si vous le voyez bien. Au pire, je vous le montrerai directement quand je vais vous montrer les cartes, que d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Et on est parti avec plein de cartes, mais vraiment plein de cartes, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être une cinquantaine. Donc ah oui, je vais vous montrer le code online par contre. Hop, voilà. C'est bon, on continue. Donc plein de cartes, je vais pas vous dire les noms. Il y a des reverse, il y a des rares. Donc c'est super, vraiment une carte de suite, une holographique, des reverse encore, une rare, une autre rare. C'est des cartes de XY, il y a du glaciation, il y a du tempête, il y a plein de petites extensions sympathiques. Un petit code online encore une fois pour vous. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc plein de cartes, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci beaucoup à toi. Et on continue avec un courrier qui cette fois-ci nous vient de Raphaël. Donc coucou à toi Raphaël et merci d'avance. Donc j'ouvre ça, il y a du scotch. Tu m'aimes beaucoup vu que tu as mis du scotch. Merci. Allez, on est parti pour voir le contenu de ce courrier. Alors ça s'annonce bien. Enfin comme tous les courriers en fait, ça s'annonce très bien. Alors, en premier, alors je ne lis pas la lettre en vidéo, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petits stickers avec Dracolos, Draco et Mini Draco. J'espère que vous verrez, même si je sais que c'est assez loin comparé à d'habitude, je ne suis pas au même endroit. Et on a aussi un petit dessin avec la petite lettre de Raphaël, donc que je n'irai pas en vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Sympa! On a une... En fait, c'est une photo, enfin, c'est sur papier photo avec un méga Dracofeu X, donc super sympa. Ouais, j'aime bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a plein de cartes que on va voir tout de suite en vidéo. Alors, on est parti avec un Ponyta Souprot AF. Il n'y a pas que... Oh, il y a un Rhinostock niveau X et un Fionn en rare. Bon, écoutez, on a plein de petites cartes dans ce protège-carte-ci. Donc, on va regarder tout de suite. Si j'arrive à l'enlever, oui. On va regarder tout de suite ce qu'il y a. On a un Ponyta, un Nobali, un Mustevouet, un Laporeille, un Terraclope, un Mascaïman et un code online XY2. Donc écoute, merci beaucoup à tous. Et on continue cette fois-ci avec une lettre de Ludo. Ludovic peut-être. En tout cas Ludo, voilà, c'est ce que j'ai lu.
qui a été taxé d'ailleurs. Et oui, fallait que tu me mettes un timbre sur la lettre, t'as oublié, mais bon c'est pas grave. Enfin si c'est grave quand même, je vais payer des taxes. Enfin bon voilà. Donc on a tout d'abord un super dessin, enfin dessin, ouais c'est un dessin plastifié en fait de Noctalie, donc qui est super sympa, moi je l'aime bien, il est très très mignon. Ensuite on a des boosters qui contiennent des cartes, je pense. Et pour finir on a une lettre, voilà, donc qui est là. Et que je ne lirai pas en vidéo parce que ça prend trop de temps. Voilà, donc bah écoute Ludo, on va voir tes cartes tout de suite. Et on est reparti cette fois-ci, on a 3 boosters dans lesquels il y a des cartes. Donc tout d'abord on a, ah c'est des cartes coréennes il me semble. Waouh, super sympa. Avec donc un couverture, un chanchidou. Waouh, oh c'est sympa. Il y a plein de petites cartes. Oh trop bien. Trop bien, merci, merci beaucoup. J'adore ces trucs-là, moi, ça, le Dracolo, c'est tout, et le mini Draco. Super, ça ira dans ma collection de Draco. Ensuite, le deuxième, je vais essayer de les enlever sans les casser. Alors là, on a des cartes de suie, avec mais vraiment plein de cartes de suie, que des cartes de suie. Dedans, oh, super, un mini Draco du bloc Wizard à la facette de base, un autre mini Draco et un Draco espèce Delta, donc super. Et le dernier, hop, juste là, on y va. Dedans, on a un Fogler, ah ça c'est pour David, un Deoxys et... un Xerneas X ainsi qu'un Meloetta X. Bah écoute, ça je pense que c'est pour David et je pense qu'il va être très content. Et on continue avec une lettre de Déborah. Donc c'est parti, on ouvre ça tout de suite. Hop. On ouvre ça. Non mais vraiment, je suis nulle pour ouvrir des lettres. Enfin, vous avez dû le remarquer à force de voir ça. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour commencer, je sors Mizirachi. Ouais. Ok, ensuite, donc on a une petite lettre. Salut Mise, j'espère que tout va bien, de mon côté ça va super, j'espère que les cadeaux t'ont plu, je vais voir ça. J'ai hâte de voir le swap avec David en décembre, et bah, au final, exclu, il va être mi-septembre, le swap a été avancé parce que vous l'attendez tellement que on va l'avancer mi-septembre le swap, voilà. J'ai hâte de voir le swap avec David, pour les cadeaux je trouve que j'en ai fait beaucoup, d'accord, bah, je vais aller voir, à bientôt Déborah. Bah, merci beaucoup Déborah, alors la première chose que je vois c'est un Mega Mewtwo Y, j'adore Mega Mewtwo Y, donc merci beaucoup à toi, il est vraiment super sympa. Et donc j'aime beaucoup tes vidéos, elles sont trop sympas, je voudrais faire comme toi, tu es une star pour moi. Merci, merci beaucoup, donc super joli ton dessin, ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis, ça me touche vraiment quoi. Et on continue, alors qu'est-ce qu'on a? Là on va avoir, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons du scotch. Oui, du scotch. Non, je vais essayer d'enlever ça le plus rapidement possible, sinon je ferai une petite pause et je reviendrai tout de suite. Mais je pense que c'est bon là, ouais. Là, je suis dans la bonne voie. J'en ai enlevé deux déjà. Le troisième. Oui, on est bon. Ah, c'est bon, je peux l'enlever. Et c'est une Pokédoll, une Pokéball en pixel art. Donc merci beaucoup à toi, je la trouve vraiment super jolie. En plus David et moi on adore les pixel art, donc ça nous fait super plaisir. Et puis celle-là on l'avait pas. Je sais qu'il y avait un abonné qui avait offert une Master Ball, il me semble, à David. Mais on n'a pas encore de Pokéball. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vois. Ah, c'est ce que je faisais quand j'étais petite, ça. C'est les petits. Je sais plus comment on appelait ça, des chambalas. Non, je sais plus. Je sais plus. Et waouh. Oh non, trop bien. Ah, super. Ah, c'est... Alors voilà. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est un finger puppet. Donc on peut mettre son doigt de Jirachi. Et tu sais quoi? Je l'avais pas du tout. Donc merci beaucoup à toi. Elle est vraiment magnifique. Ah, je l'adore. Je l'adore. En prime, nous avons un petit... je sais plus comment ça s'appelle. Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Mais j'en faisais quand j'étais petite. Et c'est pas fini, elle a vraiment été très 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 généreuse avec moi. Et tout de suite, on va voir si c'est des cartes ou quoi. Et oui, c'est des cartes Pokémon et je vous propose qu'on voit ça tout de suite en vidéo. Alors cette fois-ci, on a... Waouh. Alors, je crois qu'il n'y a pas qu'une carte, on a deux. Ah non, il n'y en a qu'une. Tu dis n'importe quoi. Donc on a un Jirachi, un Aquali holographique de Jungle, super. Un Voltorb Dolan de Ex-Espèce Delta, magnifique. Un Brocélome, un Meditica de Ex-Emeraude, un Mustabuolo, un Papillusion en rare. Et pour finir, un Lanterne de suie que je n'avais pas. Donc merci beaucoup à toi. Et c'est reparti avec une autre lettre. Donc je ne sais pas qui c'est vu que expéditeur il n'y a rien marqué du tout. Donc on va découvrir tout de suite qui ça peut bien être. Hop. Voilà. Alors tout d'abord
un dessin, waouh, un super... Ah, c'est Mr. Piplup, d'accord. Coucou Mr. Piplup. Voilà, donc il s'agit d'un dessin tout d'abord de Entei, qui est juste magnifique, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, on a pris avec David un petit classeur dans lequel on met tous vos dessins. Je pense qu'un jour, on montrera tous les dessins que vous nous avez offerts. Et le classeur est trop beau, franchement, moi j'adore le regarder. Bon, alors la lettre est assez grosse, quand même, donc je vais pas la lire en vidéo. Ensuite, on a un super dessin pour David de Deoxys. Super, il va être très content, il est vraiment super joli. Voilà. Et ensuite, alors, mais il y a vraiment plein de... Alors, qu'est-ce que c'est? Des cartes, beaucoup de cartes, mais beaucoup, beaucoup de cartes. Wow. Oh, oh, oh non, trop... Oh, mon Dieu, non, truc de fou. Waouh, mais c'est des pixel art les gens. Mais c'est un pixel art de Jirachi et un pixel art de Fennec. Allô. Waouh. Ah, c'est magnifique. Franchement, je vais pas les sortir maintenant parce que j'ai pas envie de les abîmer, de les scratcher ou quoi. Mais waouh quoi. Deux superbes pixel art de Jirachi et Fennec. Mais, oh, mais merci à toi. Merci à toi. On adore ça. J'ai rien oublié dans ta lettre, c'est bon. Donc bah écoute, on va découvrir tout de suite toutes les cartes, mais vraiment toutes les cartes parce qu'il y en a plein, que tu nous as offert en vidéo. Ok, donc cette fois-ci on a deux petits tas avec un axoloto espèce delta, Caiminus espèce delta, ok on va voir que des espèces delta, Nirondelle, Otaria magnifique, Tarsal, Impact, Watt, Natu, c'est vraiment des cartes magnifiques, un Nidoran femelle, un Abo, Hippotrempe, Ambrilex, Germignon, merci beaucoup, Elédel, Nidorina, l'énergie, waouh, il y a des cartes que j'ai jamais vues, Electek, Crocodile, Xatu, Hippocéan, en rare en plus, c'est des rares, waouh, Marest, un Lamantine, et pour finir, un Arbok espèce Delta. Et le deuxième tas, on a un Magnézone holographique, un Branette, ah ça va être pour David peut-être, un Delcati, donc tout ça c'est des Rivers, un Gardevoir Rivers, un Tangalis holographique, un Rhinastock, un Noctunoir holographique, magnifique, waouh il est super celui-là, un Boule de Nœud holographique, un Giratina, un Dialga, un Latias holographique, magnifique, un Lanterne de Néo, un Rhinophéros de Jungle, un Rafflesia X, magnifique, oh, super beau, waouh, je l'ai jamais vu en vrai cette carte, un Shiny niveau X, un Magnézone niveau X, et un Alakazam Star, allô, mais waouh, oh, incroyable, waouh, j'ai jamais vu cette carte en vrai, oh. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi. Et on continue avec une lettre de Master Cartoon. Donc merci à toi. Voilà, oui, oui, j'ai bien reçu ta lettre. Il me semble que tu m'as demandé. Voilà. Oulala. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc tout d'abord, on a un petit courrier ainsi qu'un dessin de Brocélium et un dessin de Deoxys. Alors je vous les montre tout de suite. Tout d'abord, le dessin de Brocélium qui est super sympa. Je le trouve vraiment joli. Franchement, il est super sympa. Nickel. Voilà, donc le premier dessin de Brocélium. Et le deuxième dessin, donc bien sûr, Deoxys. Je pense qu'il est dans sa forme vitesse, il me semble. Donc, super sympathique. Ensuite, un petit courrier. Salut mes Jirachi et David, j'adore vos vidéos. J'attends à chaque fois vos vidéos avec impatience. Je vous adore, vous et vos vidéos. J'espère que les dessins et les cartes vous plairont. Peut-être qu'un jour, on se le verra. Pourquoi pas. J'ai une question. Vous pouvez faire une vidéo sur Pokémon Art Academy. Écoute... moi j'ai envie de faire un petit peu de Pokémon Art Academy, j'ai envie de m'acheter le jeu, mais pour l'instant je le trouve trop cher en fait, je vais pas l'acheter à 40€ concrètement, donc je vais voir peut-être dans le futur pourquoi pas faire une petite vidéo sur Pokémon Art Academy, si on se lance dans une chaîne de let's play ou quoi, ouais pourquoi pas. Voilà, donc continuez comme ça, bah, t'inquiète pas, on va continuer comme ça. Et donc pour finir, on a deux paquets de cartes, un pour David et un pour moi, et on voit ça tout de suite en vidéo. Alors cette fois-ci on a deux paquets de cartes, le premier pour moi avec un Brésillon en reverse, un Dynavolt de Team Aqua Magma, un Q-Conquin, pardon je sais même pas lire, et un Milobulus holographique, super sympa. Et pour David on a un Statitic en reverse, un Quanoton en reverse, un Peregrin en reverse et un Ratatak en reverse. Donc bah écoute, merci beaucoup à toi. Et on continue avec une lettre de Clara. Donc il me semble que j'ai deux Clara, donc je sais pas encore si c'est Clara Pokémon ou une autre Clara. Alors il y a écrit ne pas plier, donc je vais faire assez attention à ne pas le plier concrètement, même si c'est ma partie. Voilà, je sais toujours pas ouvrir des courriers. Je suis vraiment nulle hein, pour ouvrir des courriers, c'est incroyable ça. J'ai jamais réussi depuis que j'étais toute petite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a... Oh, oh. Ah, c'est Clara Pokémon. Donc, coucou à toi, Clara Pokémon.
Salut Miss Jirachi, c'est Clara Pokémon, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, et toi? Et donc j'espère que mon dessin de Brocélum Shiny te plaît, donc bonne réception et continue comme ça, gros bisous. Bah écoute, ton dessin de Brocélum Shiny est très joli et je vous montre tout de suite. Je le trouve super sympa en bleu et violet comme ça, il est vraiment super mignon. Donc bah écoute, merci beaucoup Clara, ça me fait vraiment super plaisir, il est vraiment super ce dessin. J'aime beaucoup, je le trouve très très mignon. Voilà, donc bah écoute, merci beaucoup à toi. Et on continue avec une lettre de Matisse cette fois-ci, donc on ouvre cette lettre tout de suite. En fait, je devrais les ouvrir à l'avance les lettres parce que en soi, je galère tellement que ça serait peut-être plus pratique. Voilà, je déchiquette tout. C'est super. Et voilà. Donc, on est parti. Et là, je vois tout de suite, la première chose que je vois, c'est ça. Un dessin de Dracolos. Ah, super, nickel. J'en ai plein des dessins de Dracolos de vous. En plus, je suis trop contente. Ça me fait une collection de dessins de Dracolos. Ensuite, on a un dessin de Jirachi, bah nickel, bah, j'ai que des dessins de Dracolos et Jirachi, donc ça me fait plaisir, ça me fait vraiment un petit truc, un Deoxys pour David, hein, il ne pouvait pas y échapper, c'était pas possible. Et pour finir, un Fennec pour David, bizarrement, hein. Non mais vous nous connaissez bien, c'est super. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce courrier? On a un petit mot. Coucou mes Jirachi et David Lafarge, j'espère que vous allez bien et que mes cadeaux vous plairont. Mathis. Bah écoute, il nous plaisent beaucoup tes cadeaux Mathis pour l'instant. Les dessins sont vraiment magnifiques et on va voir tout de suite les cartes. Et on continue. Alors cette fois-ci, on va déchirer tout ça. Waouh. Oh, oh c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. On a tout d'abord un Tauros de Expédition magnifique. C'est une commune, mais j'ai jamais vu cette commune de ma vie. Un Goopix de Expédition, un Quidfish de Expédition, un Cap Humain de Aquapolis, un Carapuce de Expédition, un Fantominis d'Expédition magnifique, et pour finir, un Liputou de Expédition. Franchement, ces cartes nous font très plaisir, on adore les cartes Expédition Aquapolis, donc merci beaucoup. Et on est reparti avec une lettre énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est que elle est énorme, et je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça sent le gros cadeau. Alors, je vais pas regarder. Oh non. Je sais ce que c'est ça, un jeu de DS. Vous êtes sérieux? J'ai jamais eu ce jeu de ma vie. Mais oh, mais non, 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 vous êtes sérieux. Mon dieu. Mais complet et tout avec le jeu. Mais vous... Ah, j'y crois pas. J'y crois pas. Pokémon Ranger, j'y ai jamais joué, bah tu sais quoi, je vais y jouer dès ce soir. Oh, ça me fait trop plaisir. Oh là là, magnifique, je reviendrai dessus après, je vais essayer de trouver qui es-tu, parce que pour l'instant je ne sais pas qui tu es. Alors on a une petite... Ah, oh, c'est trop mignon. Oh, on a une photo de toi. Bon, je pense pas que je vais la montrer, parce que voilà, c'est une photo de toi et je vais la garder pour nous. Alors, on a une petite étoile aussi, super mignon, mais oh, c'est quoi ce courrier trop chou? Voilà, une petite étoile. Alors, on continue, il y a plein de petits trucs. Alors là, on a ça, voilà, ça, c'est super sympa, c'est super mignon, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais trouver. Ah oui, c'est, je dirais un oiseau, un genre là, comme ça, et puis là, c'est ses yeux, là, c'est sa bouche, enfin, vous le verrez mieux comme ça, peut-être, ouais, voilà, voilà. Oh, super sympa, trop mignon, franchement trop mignon, trop trop mignon. Allez, on continue, là on a un dessin. Ah, on va savoir qui tu es. Pour Elodie, ah c'est Thomas, donc merci, merci, merci Thomas, c'est truc de malade, truc de malade. Donc là on a, mais même le dessin est magnifique, mon dieu. On a un dessin de Caninos et de Pyroli, mais magnifique, magnifique, magnifique. Et donc on a une petite lettre que je vais lire. Bonjour Elodie et mes Jirachi. Je t'adore, tu es cool, sympa, tout ce qu'il faut. J'ai hâte au prochain swap Pokémon, t'inquiète pas, bientôt. Pardon pour les fautes, il n'y a pas de souci. J'aimerais faire un swap avec toi, ce serait trop cool. Ça va être très difficile parce que beaucoup me le demandent. Ton email et ta rue. Merci de me les donner, c'est gentil. Et bah, merci quoi. Incroyable, incroyable. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. On a encore une petite étoile qui est juste là. Et là, on a des paquets triés. Donc, bah, écoute, je pense que dedans, il y a des cartes. Et alors, je vérifie que je n'ai rien oublié. Je n'ai rien oublié. Et on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans tes paquets. Allez, on est parti. On a donc un Carapuce, un Fampi, un Tarsal, un Skitty, un Polarume, un Fermite, un Togetic, un Melancholix, Miasmax, un Hermure, un Rare Reverse, un Mamoshon rare, un Codenline,
un Furiglon, un Moussillon promo, super sympa, un Mime Junior, ouais, c'est pas une promo, un Démolos, un Fulguris holographique, un Boreas holographique, un Zoroark d'un deck il me semble, un Narceus niveau X, un Demeteros Full Art, d'accord, et pour finir un Rhinophéros, je crois que c'est ça, non, Rhinastock niveau X, bah écoute, et puis encore des codes online, donc voilà, 1, 2, et 3, voilà, donc bah merci beaucoup à toi. On continue cette fois-ci avec un courrier de Julien, donc merci à toi Julien. Et est-ce que j'ai tout pris d'un coup? Je vais vérifier. Ah, c'est bon, il n'y a plus rien. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? On a tout d'abord... Mais Jirachi. Ah, on a un dessin de Jirachi, bien entendu. Super sympa, il est vraiment très mignon ce dessin-là. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est tout. Ok. Aussi. Et on a aussi une petite lettre. Bonjour, c'est un plaisir que je t'offre cette carte et ce petit jeton. J'espère qu'ils te plairont. Où est le jeton? Où est le jeu? Ah, je pense qu'il doit être... Ouais, il est là. Il est dans le booster. J'espère qu'elles te plairont. La carte est dedans. Bonne continuation. Master Genesect. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Et donc, bah, je pense qu'on va découvrir tout de suite maintenant et qu'on va pas attendre quoi que... Il y a du scotch. Ah, je sais pas ce que vous avez avec le scotch. Tout... Non, mais c'est vrai que c'est très pratique. Bon, on va découvrir du coup en vidéo tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et on regarde tout de suite ce qu'il y a alors dans ce truc, enfin ce truc, ce booster, ouah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Au début je vois ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et après je fais, oh, un Jirachi X Full Art. Oh super, waouh, oh super sympa, merci, merci beaucoup. Et on a aussi, waouh, un jeton avec Xerneas que j'avais absolument pas. Donc franchement, merci, merci beaucoup à toi. Et on continue avec un courrier de Ansart cette fois-ci. Donc on l'ouvre tout de suite et je vois à première vue un dessin. Alors je vois tout d'abord un dessin de Jirachi qui est super mignon pour la plus belle des Miss Alice. Ah, coucou Alice. Non, il n'y avait pas écrit Alice. Je me suis dit, imagine, il y avait écrit Alice et moi j'ai lu autre chose. Merci beaucoup Alice. Alors, il est super mignon ce Jirachi. Merci, merci beaucoup. Et ensuite, on a un petit courrier. Salut Miss. J'adore tes vidéos et j'aimerais faire pareil. Vous avez une collection qui est énorme. Mon Pokémon préféré est Victini. Il est très joli, Victini et Pikachu, car ils sont mignons. Ma série préférée est Noir et Blanc de base. Gros bisous à toi, Poké Girl. Yeah! Pika pika. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Et là, on a plein de petites cartes qu'on va voir tout de suite en vidéo. Alors, nous avons un Roussil, un Medina, un Fennec, une Pokéball, un Scrutella dessus qui est vraiment super joli et que je ne connaissais pas. Une énergie, une autre énergie et deux codes online que je vous donne tout de suite. Et on est reparti avec une lettre de Arthur cette fois-ci. Allez, allez, on y va. Hop. Et c'est parti. Tout d'abord, on a un petit courrier ainsi qu'un dessin. J'aime bien parce qu'à chaque fois, vous joignez un petit dessin et waouh, Draco Shiny. Il me semble que c'est quelque chose que... Je suis pas sûre. Bon, je dirai après. Donc un Draco Shiny qui est juste magnifique. Je le trouve très très joli ce Draco Shiny. En plus, je préfère Draco Shiny au Draco normal parce qu'il est violet rose, super sympa. Ensuite, salut Miss, bien que je l'ai déjà fait, bien que je l'ai déjà dit, encore bravo pour tes vidéos qui m'ont fait ressentir mes vieilles cartes. Voilà, avec cette lettre, le premier dessin, ton Draco Shiny. Oui, donc d'accord, c'est toi. Donc en fait, j'ai un abonné, il m'a demandé, dis-moi chaque semaine un Pokémon que tu veux que je dessine et je te le dessinerai. Et je lui ai demandé Draco Shiny et il m'a dessiné Draco Shiny. Voilà. Donc il est fortement inspiré d'une carte SGSS. Ouais, je vois pas trop ce qu'il a, quelle carte. J'espère que tu aimeras. Passe le bonjour à David. Bonjour David. Salut. Voilà, et dis-lui que je lui réserve une surprise. Ouais. Pour finir, j'ai ajouté 2-3 cartes, elles ne sont pas rares et je pense que tu les as certainement, mais je pense qu'elles peuvent me faire plaisir, bien sûr. Désolée pour l'écriture, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, alors ça c'était le dessin là, ouh, oh, c'est beau ça, ouh c'est beau. Alors ça c'était le dessin et la lettre, et je vous montre ici les 3 cartes, super sympa. On a un Axolotl espèce Delta que je trouve très 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 joli. Ensuite on a un Natu HS Triomphe ou Déchaînement, c'est un Natu de suie, voilà. Et pour finir, je crois que c'est une carte magnifique, c'est un Drabi de Espèce Delta qui est vraiment, enfin de Espèce Delta qui est vraiment magnifique. Waouh, super. Merci beaucoup, bah merci beaucoup à toi.
On continue avec un courrier de Gumi. Donc bah écoute, moi je vais juste, tout en cachant ton adresse, ce qui va être compliqué, montrer la lettre, parce qu'il y a un petit jirachi et un petit brosselum qui sont dessinés, et je trouve ça super sympa. Voilà, donc je voulais juste vous le montrer parce que il y a des abonnés qui dessinent sur les lettres et c'est vraiment sympa. Ah bah on va les voir encore mieux comme ça, voilà. Vous pouvez voir, super sympa, moi je trouve ça trop mignon de dessiner sur la lettre comme ça. Et alors qu'est-ce qu'on a tout d'abord? On a, ah, vous avez compris que j'aimais bien les petits bracelets. Donc on a un bracelet à plein de couleurs différentes. Il y a du bleu, du rose, du vert. Super sympa comme bracelet, je l'aime bien. Et ensuite on a, alors qu'est-ce qu'on a? On a un petit collier qui est juste là. Salut mes Jirachi, je m'appelle Samy, j'ai 11 ans, Gumi plutôt. Je regarde beaucoup tes vidéos et j'espère que ton cadeau va te plaire. Mais bien sûr qu'il va me plaire, j'en suis sûre. De toute façon, n'importe quel cadeau me plaît du moment que c'est un cadeau. J'adore les cadeaux, donc... Ah, super. Un mini Draco, un Draco et un Jirachi. Bah, franchement, moi, tous les dessins que je reçois, je les adore parce que je me dis, ils vont tous aller dans le petit, mon petit classeur avec les dessins. Et puis, quand j'aurai envie de les regarder, je les feuilletterai. Et on va voir tout de suite tes cartes en vidéo. Alors là, deux paquets de cartes. Pour commencer, nous avons un Drabi, un Nobody du Bloc X, un Pikachu du Bloc X, un Machoke et un Galekid. Super. Et dans l'autre paquet, nous avons un Rhinocorn et un Balbuto de la Team Aqua vs Team Magma. Donc, bah écoute, merci beaucoup à toi. Et il nous reste à présent trois courriers et nous allons tout de suite entamer celui de Jarod. Jarod, en plus, tu m'avais demandé si j'avais bien reçu ton courrier. Et ben voilà, je l'ai reçu et je l'ouvre tout de suite. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va découvrir à l'intérieur? Alors tout d'abord, je vais prendre ça, voyez, à lire devant, à lire dans la vidéo. Ah, pas de souci. Est-ce qu'il y a écrit à lire dans ou à lire pas dans? À lire dans la vidéo. Coucou Miss, grâce à toi et David, les Pokémon, j'ai fait ma chaîne YouTube. Ah ben super. Et ta chaîne YouTube, c'est Dracorage 03. D'accord, voilà. Et donc tes recherches. Mes recherches. De quoi mes recherches? Coucou mes Jirachi, tes vidéos sont trop cool. Et David aussi, je voudrais meilleur Draco Feu Y. Il me dit ce qu'il aimerait avoir comme échange et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu voudrais 4 boosters aux cheveux feuilles US? Eh ben moi aussi. Tu sais quoi? Moi aussi j'aimerais beaucoup avoir 4 boosters aux cheveux feuilles US. D'accord, allez on continue. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a... Oh c'est sympa ça. Avec des petits autocollants, il a écrit Miss Jirachi, ça c'est super sympa. Ensuite, alors, waouh, oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est des boosters japonais, donc là c'est White Blaze, et celui-là, je ne sais plus ce que c'est, peut-être Battle Force, je dirais, je suis pas sûre du tout, le japonais et moi, je n'y connais pas grand-chose. Et ensuite, on a un petit dessin de Dracolos, oui, ah, super sympa encore une fois. Et donc on a deux petites cartes. Un pour moi et un pour David. Donc le Pyroli pour David, il me semble, c'est ça. Pikachu pour Miss et Pyroli pour David. Voilà, donc bah, merci, merci beaucoup à toi. Et il nous reste à présent deux courriers. Le premier, c'est le courrier d'Axel. Donc merci beaucoup à toi Axel. On y va tout de suite. Et ah, on a encore un bracelet. Je les aime vraiment ces bracelets. En plus, je les trouve vraiment sympas. En plus, ils se marient bien à l'eau, donc vraiment cool. Voilà, donc un nouveau bracelet à ajouter à ma collection. Je vais en faire une collection hein, de ces bracelets-là parce que j'en ai tellement. Miss Jirachi, tu fais des vidéos super, continue et j'ai bien adoré les swaps et j'espère que ça va te plaire. Continue, vous êtes super. PS, désolé pour les fautes d'orthographe. Vous me dites tout ça, désolé pour les fautes d'orthographe alors que voilà, moi ça me dérange pas plus que ça. Et ensuite, on a bien sûr des cartes pour moi et j'imagine aussi des cartes pour David qu'on va voir ça. Qu'on va voir ça, ça veut rien dire ça. Et on va voir ça. Et on va voir ça tout de suite. Pour finir, deux petits paquets de cartes. Ici avec pour David un Reshiram de Destiny Future, super sympa. Waouh! Et un Palkia holographique promo de Diamant et Perle. Donc super, très très joli. Et pour moi, il y a aussi deux cartes j'imagine. Et il s'agit d'un... Oh, oh, d'un Aquali de Glaciation et d'un Regigigas X. What? Incroyable. Waouh, super, vraiment incroyable. En plus, elle est en très bon état. Donc franchement, merci, merci infiniment à toi. Et notre dernier courrier de cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle durera, ça va être le suspense. Donc qui est de Julien Martin. Je dis pas ton nom et ton prénom, je dis juste Julien, voilà.
qui est de Julien. Donc bah écoute, on va ouvrir tout de suite ton courrier. Et je ne sais toujours pas ouvrir une lettre. Faudrait vraiment que j'apprenne à mieux ouvrir. Peut-être sur le côté. J'ai vu mes parents, ils ouvraient sur le côté. Ouh, 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 ouh. Oh, il est beau. Ah oui, tu me l'avais montré dans une photo, tu m'avais envoyé ça. Oh, super sympa. Oh, il est beau, il est plus beau qu'en photo. Il s'agit d'une figurine de Regis, donc je vais vous la montrer un petit peu mieux comme ça. Super sympa, donc une super figurine. Elle est petite, mais elle est très très mignonne. Une figurine de Regis, donc bah, écoute, merci beaucoup. Ah, il y a aussi une figurine de Becky Pond. Ah, super sympa. Ah ouais, une figurine de Becky Pond à présent, vraiment sympa aussi. Elle est vraiment super mignonne aussi, je l'aime bien celle-là. Et ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte. Il s'agit d'un granivole de suie. Merci beaucoup, je n'avais pas cette carte, en effet. Donc ça me fait très plaisir, elle va s'ajouter à ma collection de suie. Et pour finir, on a un petit dessin de Pikachu, qui est juste là. Hop, voilà. Donc une lettre très longue que je ne lirai pas. Et puis voilà, bah écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de ces courriers d'abonnés. C'est vraiment là en face de moi, vous voyez pas, mais il y a plein de dessins, plein de figurines, le jeu Pokémon Ranger. Mais Thomas, merci encore à toi, merci à vous tous, vous êtes vraiment géniaux, ça m'a fait super super plaisir tous ces cadeaux que vous m'avez fait, et David aussi est très très content. On vous remerciera jamais assez, tous les jours on reçoit 4 ou 5 lettres, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, merci encore, on vous dira jamais assez merci. Et bien écoutez, sur le coup, on va vous faire des gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt.